Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette vidéo fait partie d'une série d'au moins 5 autres qui vous présentent des plats rapides à faire pour le repas du midi. Donc là, pour ce quatrième jour, je vous propose une recette de pizza qui se fait entièrement à la poêle et qui se fait en moins de 15 minutes, cuisson comprise. Pour la pâte de cette pizza à la poêle, il vous faudra 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 75 ml d'eau, un peu d'huile, un peu de sel, un peu de poivre, éventuellement un peu de piment. Ensuite, pour la garniture, on vous propose de la mozzarella, du thon à la sauce tomate et quelques légumes, à savoir des champignons, un peu d'oignon et un peu de poivron. Pour la pâte, c'est très simple, on prend la farine qu'on mélange avec le sel et le poivre. Donc ici, à peu près une petite pincée de chaque. Voilà, pareil avec le demi-sachet de levure chimique. Voilà. Moi, je vais rajouter un peu de piment parce que c'est bon. On mélange un peu les ingrédients secs et on rajoute l'eau chaude et on pétrit jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte lisse. Donc là, j'ai commencé à malaxer la pâte. Je peux rajouter la demi-cuillère à soupe d'huile. Voilà. Et je continue à pétrir jusqu'à obtenir une bonne pâte. Là, on obtient une pâte lisse qu'on peut étaler de la taille de la poêle. Donc là, je le fais avec un rouleau, mais on peut le faire avec une bouteille ou même à la main, ça passe. Donc, ça y est. La pâte est étalée, donc je la mets dans la poêle tout simplement, sans matière grasse, sans rien. Donc vu qu'il y aura très peu de cuisson, je vais découper surtout l'oignon en très fines lamelles. Et pareil pour le poivron et les champignons. Donc là on voit que la pâte commence à gonfler un petit peu, il faut tout le temps un peu surveiller qu'elle ne crame pas en dessous. Et on a le temps de continuer les découpes. Donc on va passer à la mozzarella. Là je viens de retourner la pâte, elle est cuite de ce côté, elle continue à cuire de l'autre et on peut ajouter la garniture au-dessus. Donc là c'est du thon à la sauce tomate, donc comme ça il y a tout qui est prêt. Et le thon et la sauce tomate. Donc j'essaie d'étaler ça à peu près de manière homogène. Les oignons, ça ira. Quelques oignons. Voilà, le poivron, les champignons. Que ce soit en temps de manipulation ou en temps total, on est à peu près à, allez, un quart d'heure grand maximum pour faire ce plat. Voilà, et on finit par la mozzarella. La mozzarella fonde, je prends une autre poêle un peu plus large et la poser au-dessus pour qu'il y ait quand même cette notion de cuisson au four, donc pour que ça reste chaud, et voilà, justement pour que la mozzarella fonde et qu'on ait vraiment cet aspect de pizza. Après même pas 5 minutes de cuisson, c'est prêt, la mozzarella a fondu. Comme je l'ai dit, on a utilisé du thon en boîte avec la sauce tomate, vous pouvez utiliser des sauces toutes prêtes à la bolognaise ou comme vous voulez, ou même faire votre propre sauce, bon après ce sera un peu plus long mais il n'y a pas de souci. Et voilà, donc elle est chaude, on peut la sortir de la poêle et la manger tout de suite.